les y mettre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander au commandant Aboubacar Toumba Diakité, est-ce qu'il connaît le vrai nom de Begré? Begré, ah, j'ai oublié. C'est son surnom. Parce que. Oui. À l'époque. Est-ce que son vrai nom, est-ce que vous le connaissez? Non. Voilà. D'accord. Mais qui l'a nommé à ce poste? Begré? Oui. C'est moi qui l'ai nommé à ce poste. Merci. Oui. Qu'il m'en soit donné acte primitif. Non, je s'explique, question ouverte. D'accord. Voilà, question ouverte. J'explique. Voilà. Comme je l'ai dit. Oui. Que Begré, avant la prise de pouvoir, comme les Marcel, ils ont beaucoup travaillé, ils relevaient du camp Kamaen. Il était question de créer un rapport de force. Il fallait associer tout le monde. Et sous couvert du président Dadis. Donc, c'est que chacun travaille à sa manière. Il fallait contacter ceux qui étaient écoutés, les envoyer chez Dadis. Donc, c'est comme ça que Begré a travaillé, pour ne pas trop rentrer en profondeur. Maintenant, à la prise du pouvoir, lorsqu'il était question, la même nuit, lorsqu'il était question de relever les différentes positions, où étaient les hommes? C'est avec, parce que tu descends avec une équipe contre la garde, l'ancienne garde présidentielle. Vous descendez, ils sont armés, vous venez, et puis, par force, vous les soumettez. Et c'est le Begré était présent. Est-ce que vous comprenez, maître? Donc, dès qu'on les relève, toi, tu occupes ici. Le camp de Tombo, qui a nommé? C'est Marcel qui a nommé là-bas, un de l'air. Encore. C'est comme ça qu'on a occupé. Dès qu'on a fini la prise du pouvoir, Dadis me dit, où sont mes hommes, Toumba? Et ça m'a amené à réfléchir. Le deuxième jour, il me dit, où sont mes hommes? Où tu les as envoyés? J'ai dit, non, ils sont tant. Voilà. Comment il est venu là-bas? D'autres questions? Voilà. Bien. Moi, ce n'est pas les circonstances de la prise du pouvoir par le CNDD qui me préoccupe ici. C'est de savoir l'identité de Begré et qui l'avait nommé à Koundara. Confirmé par le président. C'est répondu. Hein. D'accord. Voilà. Une fois de plus, vous confirmez au tribunal que vous ne connaissez que son prénom Begré. C'est ça. Bien. Ouais. Apparemment, vous êtes resté au pouvoir plus de 9 mois. Begré était sous votre commandement. J'ai expliqué ça ici. S'il vous plaît. Ah ouais, explique. Posez la question. Voilà, s'il vous plaît. D'accord, maître, excusez. Begré était sous votre commandement. C'est ça la question? J'en viens. Voilà. Vous n'avez pas pu connaître son nom et sa moralité. Il a répondu à ça. Et sa moralité. Non, alors je vais dire sur le commandement de qui? Et sa moralité. C'est pas la. Begré. Il était d'une bonne moralité. Begré. Oui. Relève, j'ai décrit la structure de la présidence. D'accord. Voilà. Begré ne relève pas de moi. Très bien. Voilà. OK. Mon commandant, excusez-moi de dire mon commandant, sans toujours prononcer votre nom. Non, mon commandant. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Merci. La garde.